brancher la Recalbox. On va les mettre. Je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit, j'ai commandé. Je me suis commandé un deuxième Raspberry pour mettre dans la borne. Avec une petite carte SD de 120 Go. Faut changer la carte SD de ma Dreamcast. Là, j'ai plus assez de place pour les jeux. DMI. Ouais, il y a une énigme en blanc et noir là. C'est un golem vers le village Cocorico, je crois qu'il te dit ça. Et j'ai pas regardé encore. J'ai pas trop penché. Je me suis pas trop penché sur ce truc. Alors le boîtier, il est là. On va débrancher l'HDMI. On va brancher l'autre. Ok. Et on va brancher le Raspberry. Ok. Capte le signal. Voilà. Ok. Un peu du mal, j'ai l'impression, hein, le Raspberry avec le boîtier. Ok. Débrancher. Je vais te rebrancher. Attends, mais c'est ouf, pourquoi tu fais chier comme ça, toi? On va débrancher le boîtier. Normalement, t'es branché. Ok. Ok. Bon. Alors, par contre, je suis un peu dans le système, je m'excuse. On va se faire de l'arcade, on a dit. On va se mettre sur de la Tommy's Wave. Ça peut être sympa, il n'y a pas beaucoup de jeux, donc on va se les faire un peu au fur et à mesure et tester un peu voir ce qu'il y a dessus. Pour vous montrer rapidement mon scrap a marché sur le même, c'est bon, on va tout récupérer. Ça c'est cool. Et on a dit Atomis Wave. Animal Basket. Dolphin Blue, alors on va passer sur Dolphin Blue après. On va tester Animal Basket, regardez. Curieux. Ah, mais c'est un jeu qui est en tâté. Ah non, ça va. On va regarder ça vite fait. C'est comme des beaux jeux, les jeux Atomis Wave. Hein. Bon, c'est de la Dreamcast, hein, mais. J'ai l'impression que c'est un... Oh, comment ça se joue? Je comprends pas.
comprends pas. Je sais pas. Bon. Dolphin Blue. C'est de la balle au prisonnier, ouais, mais alors, pas compris. Et pas compris comment jouer. C'est peut-être plus facile sur la borne. C'est classe de voir ce petit écran quand même. C'est parce que du coup avec les 4 tiers je dépasse pas sur le... Je dépasse pas sur l'écran. Alors là on est bien sûr à la version émulée. Une chance que j'ai testé la version, mais j'ai testé la version Dreamcast, donc la conversion. Je vais vous parler donc grâce au gars de chez Sega Junkyard, je crois. Les jeux Atomic Swive ont été convertis sur, sur Dreamcast parce que bah, c'est la même console en fait. Atomic Swive est une version un peu. Comment dire. Améliorée des Dreamcast. Merde. C'est la même console, donc en fait la conversion était assez simple. Il y a peut-être un peu plus de RAM, je crois, sur Atomic Swive que sur Dreamcast, quoi. Il y aurait un gun façon à son déjà le swag. Ah, ok. C'est parfois difficile à lire, heureusement quand le quartier est fini. Je suis passé dans l'esprit des créateurs du jeu, on va en faire un jeu sur les deux phares. Enfin, mettre assez avec les deux phares. C'est quand même beau de voir de la bonne casse émulée correctement, quoi. Saute, Willy, saute! Canif. Ah, je voulais mes pièces. Premier boss. Il nous fait un très beau boulot hein, sur cette version 9. On est là, donc là on est sur la 9.1. Tout le monde. Hop, bien joué. Bien touché. Merde. Ah ! J'appuie sur les deux boutons. Mais quel con. Demolition Fish. Je suis un boulet, on est reparti. J'ai ripé, j'ai appuyé sur Start et Select en même temps. Allez, on est reparti. Je
regarder longtemps. Je pense en fait que la Rifle Box change de fréquence par rapport au jeu ou par rapport au menu et ça doit pas plaire au boîtier. Il a un peu galéré à faire du changement de fréquence à la volée. Je sais pas, c'est bon comment je le récupère, tu vois, je sais pas. J'avais pensé, on dirait les fous les mecs. Et j'ai entendu dire, et on discutait avec une amie, que vous savez le fugu est un mets très raffiné au Japon, parce que c'est un poisson qui est venimeux et qui peut te tuer par ses toxines, et donc il est cuisiné, il faut que ça soit fait de façon très particulière, sinon ça peut tuer blablabla. Mais il semblerait que le fait soit dégueulasse et que ça soit uniquement privé parce que c'est dangereux quoi. Stage clair. Il est vilain. Qu'il est vilain ce méchant. Ah, ça fait penser que. Ah ouais, je peux pas faire pause. Et j'ai pas changé le type. Du live. Communiste. Aïe. Aïe. DPS, DPS. Ah.
Victor, va défoncer. Ah. Auto fire serait pas mal quand même. Un peu auto fire. Alors moi quand tu as fini, je serai pas loin. T'as cru passer par derrière toi. C'est horrible quand même, c'est quand même un gros génocide. Hein. On l'air bien grand. Oh mais pourquoi? Et ça va la hitbox? Tiens, meurs. Il tire en l'air surtout. C'est clairement un truc que t'as dans contrat. J'ai un peu la technique amicale, je m'en excuse. Salut Jonathan, comment ça va? Salut Jonathan! Comment ça va, copain? Bon dimanche à toi! Ça roule? Warning! Jonathan arrive! Allez, boss! J'ai pas vu ça. J'ai fini comme Jeanne d'Arc. Aïe. Ça va les pieds aussi. T'es battu avec un client. Genre avec les mains et tout, ou juste tu t'es engueulé? Et deuxième question, qui c'est qui a gagné?
touche pas. Je sais pas comment j'ai mis ça. Mais tu vas crever en plus. Alors ah. Et ouais, raconte-moi tout là. Attends, tu balances tout le monde là et puis après après tu disparais. Ah. Sympa. Ok, ça va. Ah, ah attends, je peux. Oh, ça va, rien de méchant, pas de bobo. Ok. Vous avez appelé la police et tout ou Ok, ça marche. C'est nerveux là quand même. Oh, j'espère que ton patron t'a mis une petite prime là-dessus, quoi. Tu lui dis, écoute, je travaille dans une boucherie, je savais pas que les patates étaient au menu, quoi. Ok, t'as une tarte, c'est simple. Ok, le courage. Le courage. La tarte avant de disparaître, c'est beau. C'est beau. Aïe. Je pense que la police n'a pas une situation facile aujourd'hui en France. Bah déjà ils sont mis entre le marteau et l'enclume. Parce que c'est quand même c'est eux qui prennent pour toutes les manifestations, parce que sur les manifestations, on n'a rien contre la police, c'est contre le gouvernement, sa gueule, etc. Je pense que depuis le Covid, ils ont. Je pense qu'ils. Que enfin, malheureusement en France c'est le plus gros taux de répression de suicide. Donc c'est énormément de suicide dans la police. Et après je dis pas qu'il y a des mauvaises personnes qui font péter, c'est comme partout, hein, il y en a qui ont pas mis leur boulot. Hein. Comment je te tue toi
certainement des personnes qui pourraient être pas bien habillées, qui sont trop feignantes. Mais ayant des amis dans la police, je sais que ils ont pas un boulot facile. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas en France, qu'on n'apprend pas. Ok. Ouais. C'est moi comme le jour de mon anniversaire avec les amis, je me suis fait voler mon vélo. Tu sais, je me réveille le matin, je descends devant chez moi, je suis... Il y a un vélo là. Il y avait mon vélo là. Et il n'y est pas. Et donc, moi, stupide, je vais au commissariat, je vais porter plainte pour vol. Et le mec, il me dit... ah mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, on travaille. Normalement, jusqu'à preuve du contraire, le vol reste encore un délit. Mais c'est ça, tu sais. Ah ben mon vélo, il n'y a plus de vélo. Et je lui dis, jusqu'à présent, je sais pas, on peut plus rien si on nous vole quelque chose, il faut plus rien dire, puis on ne retrouvera pas. Ouais, mais je sais très bien qu'on ne retrouvera pas mon vélo. Alors en plus, il y avait énormément de vols de vélo. Mais. On fait plus rien, les gens ils s'en foutent, alors que si tu gueules encore un peu, les gens font encore leur boulot, je sais pas. Donc clairement, si les mecs, les voleurs de vélo se disent bon, c'est bon, les mecs, les flics font plus rien pour les vols de vélo, là. Clairement, ils vont pouvoir se faire plaisir tous les lundis à se faire des vélos, quoi. Alors que s'ils savent que la police ne prend pas le chier, oui, que là, ça décidera un peu, quoi. Oui. Non, mais je pense que malheureusement, t'es clairement tombé sur un con. Qu'on se le dise, hein. Ah. Est-ce que les assurances qui vont faire? Ah bah ouais, c'est ça. Ah non, bah en même temps tu me dis, écoute, t'as mis une responsabilité civile, sinon tu payes une assurance pour rien, quand même. Il y a un mec qui dit ça, je dis ok, tu rembourses pas, par contre je vais aller avoir la concurrence. Ça ne protège même pas l'attaque spéciale. Oh là là. Oh. Il a fait comment avec le truc tout à l'heure. Ça, j'arrive encore à les éviter, ça va. Putain, alors en droite, ça coince une cible là.
j'ai pas aidé en tout et tout, moi. Et le chien, il est content. D'ailleurs, ne faites pas confiance aux dauphins. C'est des violeurs. Ils tuent des gens. Chaque année, il y a des personnes qui meurent parce que les dauphins les amènent sous l'eau pour jouer. Genre, les humains, tu viens jouer toi. Et pourquoi tu bouges plus? Et ils violent d'autres espèces. Oh, c'était robotique ça. Il s'est recyclé. J'en ai plus de garçons à tuer, alors je suis parti tuer les dauphins. Ma vitre, ok. Pour voler le truc. Oui. Donc c'est ok d'ouvrir la voiture si elle est, si ta voiture est bordelique. J'avais un pote qui s'était fait ouvrir la bagnole pour se faire piquer un rouleau de PQ en paquet de chewing-gum, hein, donc. Oula. Il y avait un trou. En plus, il faut savoir être bon en plateforme. Ouais. Ah mais. Je pense oui, je pense que c'est toi qui t'entends, il avait raison, je vous range ta voiture, range ta voiture. Et range ta chambre. Je pense que c'est ta mère qui a appelé la police. Bonjour madame. Ça fait dans tous les sens, je... Je suis au bord de la crise d'épilepsie. On va se finir à décider, puis après on s'arrêtera tous les jours. Non mais sérieux. Presque parfait. Ah mais pourquoi tu me couches toi? Dolphin Blue sur Atomic Wave, donc comme je dis, Atomic Wave est un système d'arcade qui est sorti à l'époque de la Naomi. Et en fait, c'est une collaboration entre Sega et Sammy pour faire un système d'arcade
qui en fait qui vaut la Naomi, c'est une Dreamcast. Une Dreamcast avec un peu plus de RAM. Et donc ce jeu là est très cool parce que bah c'est donc c'est un. Tu peux voir c'est un run and gun à la Metal Slug, mais il n'est jamais sorti sur console. À part récemment où en fait les mecs se sont rendus compte que la Naomi. En fait il y a des gars qui cherchent des modules de développement. Et certains ont trouvé donc à retrouver des modules de développement de Naomi et se sont rendus compte que bah, c'était vraiment une Dreamcast. Et par conséquent, ils ont réussi à convertir de façon très facile certains jeux Naomi en Dreamcast. Donc tu pouvais avoir les ROM Naomi, moi je les ai sur là, sur quasiment le full set Naomi, converti en Dreamcast. En gros c'est un Metal Slug complètement. Oh, c'est des victimes, c'est pas facile. Il est bon en appui, Robot Nick là. Aïe. Oula, aïe. Oh putain. Quel âge, 14 ans, c'est ça? Oh là 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 là. Une pile. Une en slip. Ouais, ok. J'étais au sport hier, j'ai mal pris le sang vieux. Ça fait 3 ans. Ok, attends. Oh, bah écoute, bon anniversaire en retard, Jonah. Je t'ai renvoyé le message, j'ai pas vu si t'avais répondu sur Discord. D'ailleurs attends, on la voit hein, l'aspiration, mais parce que j'ai rien qu'au design des tanks. Ah
Et d'ailleurs, il était sorti sur Metal Slug 6, sur... Ah non, je suis pas allergique, ok. Non, t'es pas allergique, je trouve que... Je trouve que les... Je sais pas, c'est bizarre, alors ça doit être une illusion d'optique. Tu vas crever toi. Oh là. Ont été tous les deux un peu serrés, un peu répressifs, enfin un peu. Je suis cramé le cul. Je tombe bien sûr, c'est trop mignon. Ah, la plateforme, je déteste la plateforme. Non. Ah, sérieux? Ah Mais sérieusement? Ah mais c'est... Hey, comment j'ai mis ça? C'était juste pour te faire claquer du pognon, hein. Des trucs, je suis pas assez grand, on sautait pas là-dessus. Ah. Tire pas dans les coins. Ah ça j'ai eu. Oh là 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 là. Bien, on serait pas tout seul. Putain.
Putain, j'ai 3 000 mini quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Ah mais il veut pas le dépasser en plus. Saute. Je suis riche, comme ça. Ah bah écoute, merci. Passe à mon dimanche. A plus tard. Allez, on est presque nous. Dans la douleur et dans la peine, hein. Pas possible, comment tu étais tout ça, tu sais. Et en plus j'ai dit à travers les murs. Mais sérieusement, attends. C'est une grosse croix, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on a le dos de pain. Ça va être difficile. Elle est arrivée de côté. En haut, en bas, dans tous les sens, dans les coins. Une barre de vie serait intéressant quand même sur le boss. Ah, génial.
Oh là là. Sprite, Sprite Sprite, c'est que tu sais vraiment où il a Xbox. Alors tu sais que t'avances parce que t'as une sorte de dégâts qui apparaît, mais une barre de vie serait quand même assez. Entre les trucs. Voilà.
Encore ? Ok. Ok. Timing parfait. L'arthrose. Ah bah ouais. Tant qu'à faire. On a un nom à toilette. Content. Bon, on a fini. On a fini Blue. Bon, ce qu'on fera, c'est que vendredi prochain, on se refera. Si j'arrive à m'échapper du boulot, on se refera du Zelda. Et
on alternera encore du rétro et du Zelda pour dimanche prochain. Donc c'est un programme pas mal pour l'été. C'est bien de nous montrer d'autres personnages vu qu'on n'en a qu'un seul de jouable dans ce jeu-là, contrairement à Metal Slug. Il y a un petit côté ce qui arrive à faire Arcadia, je trouve, au niveau du design. Bien bourrin, ouais, j'ai mal au doigt. J'ai la marque du bouton imprimé sur le pouce. Mais ouais, bien bourrin. Bah, c'est du Metal Slug Live, donc c'est plutôt cool. Et c'est chouette de pouvoir découvrir. C'est là où le rétro et l'émulation sont cool, parce que ça nous permet de découvrir ces jeux-là où on serait complètement passé à côté parce que je n'ai jamais vu de ma vie une bande de film. Donc, très sympa. C'est le générique et puis on va se quitter là-dessus. Puis on va lancer un raid. Qui c'est qu'un live qui pourrait être cool? Attends, il y a Natsu qui est sur du Octopath Traveler. Oh, est-ce que t'es quelqu'un de conseillé, Hyperion? Tu as si t'as quelqu'un de conseillé? Ou quelqu'un d'autre? La petite photo de fin. Merci d'avoir joué, c'est sympa. Merci d'avoir fait le jeu. Et là, le jeu redémarre. Ok, bon, on va aller chez Natsu, il est tout seul. Allez, on va quitter Recalbox. Il y a plein de trucs sympas à faire sur Atomis Wave, ne serait-ce que le couteau de Ken, le Guilty Gear. Eh oui, bah sinon je t'aurais aidé toi. Hein. Un bon petit jeu de dada. Oh là, ça a l'air moche. Oh mon dieu. Ça marche, showdown. Un jeu de tir sur qu'on s'appelle sur assiette en argent. En argile. Rumblefish 1, là, cool. Et le premier, ils ont compris entre le 2 et le 1 de revenir sur des stages qui ont l'air un peu plus propres. On a fait le tour. Bon, on va quitter la Recalbox. D'ailleurs, j'ai désactivé Cody pour pas avoir de problème. N'hésitez pas à le faire si vous ne vous en servez pas. Ça vous évite d'appuyer sur un mauvais bouton et de lancer Cody par inadvertance. Et là, on va quitter. Oui. Et on va. On est de retour sur la scène principale pour se faire des bisous et pour aider. On a dit chez Natsu. Bon, allez, lancer un petit raid. Ben on va le faire comme ça. Copier son truc. Comme ça, je sais pas si tu as vu, tu peux. Tu peux raider directement depuis Twitch Chat. Tu vas dans le menu des options. Et t'as lancé un raid, alors c'est un peu plus long, c'est une minute je crois. Mais au moins tu peux raider. Attends, on va t'amener la net. Alors dans. Tu sais sur Twitch chat, t'as les viewers. Le bouton en dessous là. Et entre les options et les viewers, là t'as un carré
avec un bouton. Et là, t'as toutes les actions que tu peux faire sous Twitch Chat. Et si tu scrolles tout en bas, t'as lancé un raid. Donc tu tapes le nom de la personne que tu veux raider. Tu lui dis oui, il va te proposer un truc. Bah tiens, je vais te montrer mon interface. Et ça te lance le raid sous une minute et quelques. Attends, si je fais capture d'écran et que je fais écran PS. Alors. Non. Voilà, là tu as mon OBS. Et tu vois mon interface, alors tu vois, je disais, il y a l'activité feed qui est KO. J'ai mon retour. J'ai mon Twitch chat là. Alors je disais l'option pour raider, c'était tes options. Et tu vois, c'est là, tu choisis pour raider. Donc moi j'ai mis Twitch chat là. Que tu peux élargir. Peut-être élargir un peu plus. Moi j'ai réduit au maximum, je l'ai ouvert, mais j'ai réduit au maximum le lower third là. On va réduire l'écran. Hop. Et moi j'ai le scene tree en fait, ça te regroupe les scènes. Quoi que ça? Ah bah ça a raidé. Et en fait donc t'as tout le truc qui est là. En tous les cas, je vous fais des bisous. On va supprimer cette scène là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon dimanche. Et puis amusez-vous bien. Passez une bonne semaine. Bon courage pour la semaine. Je vous fais des bisous. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap, ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais?